Caché les ombres sortent, le parfum vola. Regardez les filles, j'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles, le soleil sur leur peau, l'orange qui balance, leur poitrine gonflée par le désir de vie. À la biscuiterie, parce que l'idée, après cette période qui était quand même difficile, où on s'est tous retrouvés enfermés, un petit concert dans le jardin, on invite les voisins, on invite la biscuiterie, invite ses abonnés, et puis on se retrouve tous ensemble, c'est super simple. Avec des gens qu'on connaît pas, ça se croise, ça se mélange, ça papote, c'est super. Super, exactement à l'endroit qu'on imaginait, c'est-à-dire qu'à la fois un endroit convivial, un chanteur à la hauteur de nos attentes, de l'attente du public, c'est dans le jardin, c'est trop chouette, tout le monde est content, et lui aussi je crois. Donc, voilà, j'habite à 30 km d'ici, donc je pense que je reviendrai voir la programmation de la biscuiterie. C'est le premier concert depuis, je crois que le dernier, c'était aux alentours du 1er mars ou quelque chose comme ça. Ouais. Une douceur extraordinaire, très, très agréable, d'écouter chaque mot. C'était un public parfait, quoi, je veux dire. Je m'attendais un peu à ça, pour tout vous dire, parce qu'on n'est pas dans une salle de concert, il n'y a pas des lights de partout. Bon, vous pouvez pas, il y a des chaises longues quand même, donc quand vous êtes dans une chaise longue, vous ne pouvez pas. Bon. Donc ça n'a pas été un public qui a tout cassé, mais c'est un public extrêmement chaleureux, très attentif, ce qui est rare, hein, parce que nous autres, en général, on nous demande plutôt de faire danser les gens que de leur raconter des histoires. C'était un grand plaisir, quoi. C'est-à-dire, ça restera gravé dans mon cœur, puisque rares sont les endroits qui, comme la biscuiterie, prennent ce genre de risques et font ce genre de choses aujourd'hui. Donc c'est un risque. Je suis content d'avoir été ici et je vous remercie. Merci Patrick.